Bonsoir. L'autre jour, j'ai appris que j'allais être papa. Laissez-moi vous présenter ma femme. Christiane. Christiane. Avec Christiane, on vient d'apprendre que septembre avait remplacé mars pour le mois des naissances. On en a marre d'attendre. Ça fait 2 ans que je suis enceinte. En même temps, on a du pot. On a fait l'amour une fois le premier soir et ça a marché tout de suite. De toute façon, moi, j'aime pas coucher le premier soir. Moi, je suis pas quelqu'un qui suis comme tout le monde. Moi, quand je t'ai vu la première fois, Olivier, oh, je suis tombé amoureux de toi. T'avais l'air d'un petit chat qui sortait d'une machine à laver. Petite chatte. Moi, ce qui m'a plu chez Christiane, c'est sa féminité. C'est une femme, une vraie. Il bouge. C'est plus bas. Il m'a donné un coup de pied. C'est normal, il t'aime pas. Allons. Depuis, on ne fait plus l'amour pour pas faire de mal au bébé. Oui, moi, ça me va très bien. Moi, hein. Oh, pas trop, hein. Faut dire, on vit dans le péché, on n'est pas marié. On n'est pas marié, on vit dans le péché. Oui. Eh oui. Au fait, je suis allé chez le gynécologue. Et enfin, j'ai le machin qui se termine en fille. Voilà. L'échographie. L'échographie, voilà. Mais il est où le bébé? Non mais t'es donc. Tu me prends pour un blaireau? Non, il est où? Tu vois pas que c'est un garçon? Il est où? Non mais, alors là ça devient pathétique là. Ça devient pathétique et c'est ridicule cette perruque à la con là. Christian? Oui, Christian. Comme si tu le savais pas. Mais non, je te jure. Oui, non, je te jure. Non bah franchement, avant je passais pour un con, alors là j'aurais l'air moins débile avec toi. Hein. Alors je vais pas être papa? Ah bah je vais pas être papa. Bah non, de Benoît. De Benoît, 35e passage, tu fatigues. Si à chaque fois on fait un duo, il y a un gamin qui naît, ici ça va devenir une vraie crèche. Abonnez-vous en cliquant ici.